Le corps humain a besoin d'un large éventail d'éléments nutritifs, sans lesquels il ne peut survivre longtemps. Parmi ces nutriments, il y a les vitamines, bien sûr, mais aussi des acides aminés essentiels. Les acides aminés sont tout aussi importants pour le développement d'un système immunitaire sain que pour la construction des muscles et d'un tissu conjonctif ferme. En circonstances normales, notre organisme synthétise naturellement la plupart des acides aminés selon ses besoins et n'a guère besoin d'apports nutritionnels. C'est le cas de l'arginine, un acide aminé semi-essentiel. En effet, les efforts musculaires intenses ainsi que le stress font augmenter nos besoins en arginine de façon vertigineuse. Notre organisme en consomme soudain plus qu'il ne peut en produire. Résultat, on se fatigue plus rapidement, on se régénère moins vite après l'entraînement ou après une compétition. Il n'y a pas que les sportifs professionnels qui cherchent depuis longtemps des sources naturelles d'arginine. Dans l'alimentation courante, on trouve l'arginine en premier lieu dans les noix, riches en protéines, dans le germe de blé ou dans les fruits de mer. Vous voyez ici une liste comparative de la teneur en arginine de divers aliments. Les données correspondent à la quantité en milligrammes d'arginine dans 100 grammes de l'aliment en question. Nous voyons ici, à côté des noix, certains des fruits de mer les plus populaires. C'est pour cette raison, entre autres, que l'on attribue depuis longtemps aux poissons et aux coquillages, en tant que source de protéines de haute valeur, des vertus fortifiantes quasi légendaires, surtout chez l'homme. Parce que l'arginine est, de par son rôle unique dans le métabolisme, une vraie supermolécule. C'est le seul acide aminé qui possède 4 groupes d'azote, et par conséquent, il est crucial pour l'équilibre de l'azote chez les sportifs. Il est très difficile pour le sportif de pallier à ses besoins en arginine rien que par l'alimentation, parce que cela signifie un apport calorifique considérable. De cette façon, on ne se bâtit pas seulement des muscles, mais aussi du ventre et des hanches. Pour ingérer 5 g d'arginine, c'est-à-dire 5000 mg, le sportif doit consommer tout un paquet de cacahuètes, ou bien 1000 calories, ou bien un demi-kilo de flocons d'avoine, et ceci en une demi-heure avant l'entraînement. C'est impossible. On ne s'entraîne pas bien l'estomac plein, puisque l'organisme est occupé à digérer. Forever Living Products est depuis plus de 30 ans le leader sur le marché des produits de qualité fabriqués à base de substances naturelles. Après avoir développé avec succès plus de 200 produits, notre entreprise familiale a investi son savoir-faire dans Argiplus. Argiplus vous apporte un total de 5000 mg d'arginine qui couvre avant l'entraînement tout besoin supplémentaire. Et ce, avec seulement 40 calories. C'est sensationnel, et c'est pourquoi ce produit diététique est arrivé en 3e place dès le jour de son introduction sur le marché allemand de l'arginine, un marché très compétitif. Et les chiffres d'affaires depuis sont époustouflants. Ce qui donne son goût sucré à Argi, c'est le xylitol, un sucre naturel qui n'attaque pas les dents, qui ne contient que 40 calories et qui peut être consommé par les diabétiques. La raison de son succès n'est pas seulement la présence en grande quantité de l'acide aminé arginine, mais du mariage savant de substances nutritives microscopiques qui optimisent l'absorption de l'arginine par l'organisme. Il s'agit notamment de la vitamine C, la vitamine B et de la vitamine du soleil, la D3, essentielle pour des os solides. Ces éléments manquent dans pratiquement tous les produits à base d'arginine existants sur le marché. Ils se vendent bien, mais ne sont pas aussi bénéfiques. Quant à la vitamine K, cruciale pour la santé du sportif, elle est complètement ignorée. On la trouve avant tout dans les aliments de couleur verte, comme les épinards. Merci Popeye. Ajoutez à cela une bonne dose de couleur dans votre vie. En effet, Forever Living Products travaille depuis des années en tant que spécialiste pour ajouter à ses produits des couleurs attrayantes grâce à des extraits de composés phytochimiques riches en couleurs. Les antioxydants sont toujours les bienvenus pour les sportifs amateurs et professionnels dont les besoins accroissent dû au stress oxydant. Outre la vitamine C, on trouve dans Argi des extraits de grenades et diverses baies, excellents pour la santé. Parmi elles, du sureau, de la myrtille, de la framboise, de la mûre, du cassis, de la griotte. Et au lieu d'un petit verre de vin, des extraits de peau de raisin. Mais vous pouvez y aller sans crainte, car chez nous, il n'y a pas d'alcool. Malgré l'absence d'alcool, préparer l'Argi, c'est un peu comme se faire un tequila sunrise. Regardons comment ça marche exactement.
Quand vous ouvrez la boîte d'Argiplus, l'arôme fruité des extraits de baies vous monte déjà aux narines. On le sent déjà de façon très distincte. À l'intérieur, vous trouvez une cuillère doseuse. Prenez-la et remplissez-la de poudre jusqu'à la ligne. Prenez donc seulement une cuillère, remplie jusqu'à la ligne. Une cuillère par jour suffit pour couvrir les besoins d'une journée entière. Une boîte couvre les besoins d'un mois entier si vous souhaitez utiliser argile chaque jour. L'idéal est de prendre une cuillère d'argile plus dissoute dans 250 à 400 ml d'eau trois quarts d'heure avant l'entraînement. Le mieux est de tout boire d'un coup, ou bien vous pouvez boire votre verre d'argile le matin. Vous pouvez substituer de l'aloe vera à l'eau pour faire le mélange, toujours le matin, à jeun, directement au lever. Ainsi, vos réserves sont remplies pour toute la journée. Quand vous faites le mélange d'argile et d'eau, utilisez une cuillère à long manche pour être sûr de bien atteindre toute la poudre en bas du verre, et mélangez assez longtemps pour que tous les extraits de fruits soient dissous. Vous voyez alors apparaître sous vos yeux l'argile sunrise promis pour le petit déjeuner. Au début, le mélange a une couleur verdâtre et foncée qui, plus on remue la cuillère, tourne au rose, un rose qui semble monter du fond du verre. Un petit conseil, si vous préparez votre potion au club de gym, mélangez bien longtemps, c'est génial. Les autres entendent le bruit de la cuillère, puis voient les couleurs changer comme par magie. Vous avez rapidement un groupe de curieux autour de vous qui vous demandent comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Et vous, vous pouvez tout de suite les éclaircir sur le sujet. L'un ou l'autre va alors également commencer à prendre de l'argile. Notez qu'au départ, ces substances nutritives peuvent être un peu trop lourdes pour l'estomac ou les intestins. Il est donc recommandé de ne prendre que 2/3 de la dose normale les 2 ou 3 premiers jours. Et s'il vous plaît, afin d'éviter les problèmes, utilisez de l'eau à température ambiante pour faire votre mélange. C'est exact, Ralph. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus de combiner Argiplus avec du Forever Calcium, numéro référence 206. Mais attention, il faut prendre l'argile le matin au lever du lit et le calcium le soir avant de s'endormir. Résumons les arguments en faveur d'Argiplus. Très important, il est sur la liste de Cologne, la Kölner List, qui garantit qu'il ne contient aucun produit de doping. Il est conçu spécialement pour pallier au manque d'arginine dû à l'exercice musculaire intensif chez le sportif, pour une formation, une régénération musculaire rapide et saine. 5000 mg d'arginine, seulement 40 calories. Contient de la vitamine C, B6, B12 et de l'acide folique. De la vitamine du soleil D3, de la vitamine K2, tout ce qui est nécessaire à l'absorption optimale de l'arginine. Et en plus, un composé unique de l'extrait de grenade, de sureau, de myrtille, de framboise, de mûre, de cassis et de griotte. Nous vous souhaitons plein de succès et de plaisir.